Bonjour mes chers, ravi de vous avoir à nouveau avec un nouveau épisode de l'histoire magie à l'école. Épisode 9. Les personnages de l'histoire sont Mona, Paco, le chat Malo et Bruno le mulot. Ils sont dans la cuisine, ils mangent le petit déjeuner. Paco mange une tartine de marmelade. Sur la table, je vois deux bols de chocolat, un morceau de pain, un pot de confiture et une liste de courses. Dans la cuisine, je vois un frigo, une poubelle, des boîtes et des bouteilles sur les étagères et une photo de potiron. Sur la liste des courses, c'est écrit Malo, Ursule, Ramolo, loup de papa. Magie à l'école, épisode 9. En sortant de l'école, Paco propose à Mona d'aller chez le boulanger. Mais Mona préfère rentrer chez elle pour boire un bol de chocolat et manger une tartine de marmelade. « Moi, je vais faire mes devoirs pour demain !» dit Paco. « Quoi ? Il y a aussi école le mardi ?» demande Mona. « Mais oui !» éclate de rire Paco. Mona réfléchit. « Je crois que l'école n'est pas faite pour les sorcières. Et j'ai des courses à faire !» Mona a déjà fait la liste. Un pull pour Malo, des mouches pour Ursule, des pistaches et du lard pour Amolo et un os pour le petit loup de son papa. Puis elle préparera un numéro avec Lulu sa tortue. Mona dit à Paco « Mais je reviendrai à l'école car je me suis bien amusée !» En sortant de l'école, Paco demande à Mona d'aller chez le boulanger. Mais Mona préfère rentrer chez elle pour boire un bol de chocolat et manger une tartine de marmelade. Paco dit qu'il doit faire ses devoirs pour demain. Mona est surprise. Elle demande s'il y a aussi école le mardi. Paco éclate de rire et dit oui. Mona lui répond que l'école n'est pas faite pour les sorcières et elle doit faire des courses. Elle doit acheter un pull pour Malo, des mouches pour Ursule, des pistaches et du lard pour Ramolo et un os pour le loup de son papa. Puis, elle doit préparer un numéro avec Lulu, sa tortue. Et elle reviendra à l'école car elle s'est bien amusée.